Avec les JA. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui et ça fait plaisir. Vous êtes venus très nombreux, on doit être plus de 100 tracteurs ici ce matin et on est un des quatre points de démarrage de la manifestation d'aujourd'hui, du blocage des autoroutes A6 et A19. Je sais qu'il y a quelques journalistes ici, si vous voyez autant de monde, c'est que ça va vraiment mal dans les campagnes. C'est pas pour rien qu'on est là. Donc en tout cas merci à tous ceux qui sont venus en tracteur, en voiture. Les élèves aussi de la Brosse qui viennent nous soutenir. Merci beaucoup. On va bientôt la démarrer. On attend évidemment la gendarmerie qui nous dit quand on peut démarrer. Ce qu'on souhaite, c'est exprimer le ras-le-bol. C'est exprimer toutes les difficultés qu'on peut avoir, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient une pression sociétale aussi sur notre métier qui nous accuse en permanence. Il y a tellement de choses. Je ne vais pas faire la liste maintenant. On aura l'occasion d'en rediscuter dans la journée. Mais voilà, on va aller bloquer maintenant l'autoroute et on se mettre en convoi. Ce qu'on souhaite, c'est, si on veut être entendu par le grand public, on a une bonne image aujourd'hui, on est soutenu, même s'il y a des blocages. Voilà, toute la population a bien compris pourquoi on râle. Par contre, on souhaite qu'il n'y ait pas de dégradation, parce que sinon on casse notre image, et le grand public, c'est nos consommateurs aussi. Hein. On produit pour eux. Donc c'est important que ça se fasse aussi dans la dignité. Et vous êtes certainement au courant voilà, de l'accident dramatique qu'il y a pu y avoir dans le sud de la France, en Ariège, avec une agricultrice et sa fille qui sont décédées. Donc par respect pour elle, on souhaite que tout se passe bien en termes de sécurité. Je vais laisser la parole à Franck Pouillot maintenant pour les consignes concrètes pour démarrer. Et puis, on se retrouve là-bas sur place à Nitry. Je serai avec vous. Donc, bonjour. Bonjour à tous, pardon. Donc, quelques consignes de sécurité. La manifestation, c'est avant tout le respect de la sécurité. Et on fait ça propre. Et dans le respect des biens et des personnes. Donc là, on va partir direction Nitry, convoi sur les deux voies, donc deux lignes. On laisse la bande d'arrêt d'urgence libre, vitesse autour de 30 km/h, pas plus. Respect des distances de sécurité, parce que bon, on a vu dans d'autres actions des accidents parfois un peu stupides. Donc sécurité avant tout. Voilà, que dire de plus? Un peu spécial. Voilà, donc les tracteurs en avant, tous les véhicules légers suivent le cortège de tracteurs, et s'il y a parmi nous des journalistes qui veulent suivre et couvrir le défilé, ils passeront en arrière du cortège. Voilà. Donc par contre, on a l'accord de l'ensemble des sociétés d'autoroute et de la gendarmerie, on n'aura aucune dégradation à faire, on sera responsable des éventuelles dégradations qui auront lieu. Donc, pas de paille, pas de fumier, pas de pneus. Ceux qui ont... A priori, c'est assez propre, mais ceux qui en ont, je vous conseille de les laisser ici pour éviter tout débordement, tout risque de débordement, une fois arrivé sur le tour.
Ah.